C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. C'est l'heure du design. L'heure du design sur Twitch. C'est l'heure du design. Avec tous les musiciens. Trop violente ta musique pour un lundi matin. Let's go. Bonjour à tous. Ok. Le groupe se lance direct. Bonjour à toutes et tous. Ah non, la piste 6, elle a bugué. Non. Reviens, la piste 6. Ah voilà, c'est pour ça. Bonjour à tous. Salut l'ours, salut elle, salut Tigrout. Salut Clarick, salut Nathan. Comment ça va les amis? Bonjour et bienvenue dans ce live du lundi 4 mars. Il est 9h38. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et tous. Salut Valou Lardéchois. Salut Drop GPT. Ça va très bien et toi Drop GPT? Je suis très bien, je suis très en forme pour cette nouvelle semaine de live. Ça va très bien et toi, merci. Merci très bien. Comme dirait la personne qui a follow il y a 2 minutes la chaîne, impeccable, c'est son pseudo. Ça va super, merci Tigrout. Et vous, comment allez-vous? J'aime pas quand on voit ça. Voilà. Écoute, maintenant, t'es dans mon rituel du lundi, vendredi matin et mercredi après. Bah, ça fait plaisir, Nathan. En vrai, ça fait très plaisir. Tu l'es aussi, du coup. Tu l'es aussi. Car tu es là. Drop GPT, bah ouais, Drop GPT quoi. Mais je sais que c'est pas ça, mais c'est comme Chat GPT. Salut Impeccable, première fois dans le chat, comment vas-tu? Comment t'es découvert la chaîne? Salut l'ours! Et merci pour ton tier 1. 1 et 1 font 11, bravo, 11 mois d'abonnement tier 1. Et surtout les tier 1, c'est important, car ça me donne accès, bien sûr, peut-être un jour ou tout bientôt, au partenaire plus. Salut Soupe au bout de boule, comment ça va? Salut Cold Fire 477, bonjour à toi. Et merci pour le train hype qui vient de se terminer, du coup, qui était pendant l'écran d'attente avec bien sûr Thomas qui a mis un tier 2, donc 2 points, parfait. Nextio qui a mis un Prime, Kat Zenko qui a mis un tier 1 et Hugo Doro qui a mis un tier 1. Et regardez, on y est. On a fait un mois, mais on fait un deuxième mois. Et voilà. Merci Beauchen. Merci pour ton tier 1, 34 mois, merci infiniment. Bon lundi les Bastipotes, courage pour votre semaine, let's go, merci Beauchen. Salut Bifrid, comment on fait pour donner au mieux son abonnement Prime que tu puisses gagner des points? Alors le Prime ça rapporte pas de points, mais c'est pas grave si tu peux pas... Attends, je prends mon infographie. Donc déjà, le Prime ça rapporte 0 points, d'accord? Donc si tu n'as pas d'argent et que tu veux te donner ton Prime, donne-le, c'est-à-dire que c'est mieux que rien. Par contre, si tu as 3,99€ à investir par mois... Oh, regardez le bug. What the fuck? Le décalage. Oh là là. Oh, le bug. Qui s'est passé? Évidemment, je n'ai fait aucune mise à jour, bien sûr, entre les deux, hein, vous en doutez bien. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, le détourage ne fonctionne pas aujourd'hui. Ah merde, c'est dommage. Eh ben écoutez, dommage. Le détourage est cassé. On va l'enlever. On va l'enlever, c'est pas grave. On va faire sans détourage aujourd'hui. Non, c'est le masque de détourage qui est pas bon. Salut Gringounet, comment ça va? Comment t'as découvert la chaîne? Du coup, je disais, ouais, les primes, ça rapporte aucun point. Déjà, on a réussi à faire les 300 points pour le mois de février, c'est super. Maintenant, il faut réussir pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Et du coup, si tu veux claquer ton Prime, je sais plus qui est-ce qui avait posé la question, Bifrit, tu peux le claquer, il n'y a aucun souci. Ça rapporte 0 points, mais c'est mieux que rien, parce que c'est quand même des petits revenus mensuels, c'est super. Et surtout, ça coûte rien, parce que c'est offert par Amazon Prime pour l'instant. Par contre, si vous voulez m'aider à avoir 300 points par mois et pouvoir arriver au 70-30, donc c'est 70% des revenus de vos dons pour moi et non 50% pour moi, vous pouvez du coup mettre un tier 1, tier 2 ou tier 3, sachant que ça rapporte 1 point, 2 points et 6 points. Voilà, donc évitez pendant cette période de mars-avril de faire des sub-gifts. On va préférer, au lieu de donner 5 sub-gifts, de prendre un tier 2 ou un tier 3 par exemple. Voilà. Et ça régale, et ça régale. Et vous pouvez augmenter votre sub T1 en T2 ou en T3. Et si vous avez un prime et que vous voulez mettre 4€, vous pouvez convertir votre prime en tier 1 aussi. Merci Bifrit en tout cas pour ton prime. Please Figma if you see this, make nested folder possible. Pourquoi faire? Pour les projets. Ça servira à quoi? Ça devrait aller mieux. En février, j'étais en T1 et là, je suis en T3. Merci Nathan. Bah, c'est incroyable. Merci beaucoup. Pour les projets, ouais, bah, tu fais des équipes. Je sais pas. Regarde. Tu fais des dossiers là? Non? Ça fait un dossier, deux dossiers. Ça va, non? C'est déjà pas mal, hein?
et tu refais une équipe. Ça fait 3 dossiers déjà, 3 profondeurs. C'est beaucoup Bifrit quand même, déjà 3 profondeurs. Moi je trouve que c'est assez. Hein. Plus ce serait le bordel, non? Salut, Curé Teiyu, comment ça va? Curé, je vais t'appeler. Atran remonte d'une coupure. Bah, t'as des équipes, donc ça fait un dossier. Ensuite, t'as les équipes, t'as les projets, ça fait 2 dossiers. Et après, t'as les DZA, ça fait 3 dossiers, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de dossiers. Salut, Atlam Tios. Salut, Sosega, merci pour le tier 1. Merci pour les 26 mois, merci pour le point de partenariat plus. Comment ça va? Salut, Lead On 42. Salut, super, je suis le curé du live maintenant, ça va très bien. Salut, le curé du live. Wem Webem, merci Webem pour le tier 1. Merci beaucoup. Merci pour le point d'abonnement. Il aime quand c'est profond, j'ai vu ça, ouais. Merci Webem, salut Lay14. Et Webem, c'est pas toi qui avais développé un truc? Ça me dit quelque chose ton pseudo. Webem, t'avais pas développé un truc genre le truc de la Saint-Valentin? Pour le tier 1. Merci ce gars pour le petit tier 1. Si la Saint-Valentin. Let's go Webem, merci pour le tier 1. Ah maintenant j'entends plus que le tier 1, maintenant que je dis tier 1, tu fais chier. Ah ça casse les couilles de fou. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien. Évidemment les amis, claquez votre tier 1, tier 2, tier 3 bien sûr si vous voulez que la chaîne passe au 70-30. Tout bonnement on est en bonne voie. J'ai quand même un petit peu peur d'un truc. Mais ça c'est la peur du créateur de contenu classique. C'est que je suis en vacances la semaine prochaine pendant une semaine et je reviens le 18 mars. Donc profitez bien cette semaine si vous voulez kiffer les lives. Tout le reste bien sûr ce sera uploadé sur la chaîne Bastille UI Replay bien sûr. Mais claquez bien sûr vos petits R1, petits R2 et petits R3 pour qu'on atteigne bien sûr la jauge des 300 points pour débloquer le 70-30. Même si je suis absent une semaine, j'en suis désolé bien sûr la team, voilà. Et c'est important de prendre des vacances. Et là, c'est le ski, donc let's go le ski. Merci Maxime Go31 pour ton TR1. Merci infiniment, tu me donnes un point d'abonnement, c'est adorable. Merci pour ton soutien, j'espère que tu vas bien. Merci Spwinks pour ton TR1 aussi. 24 mois égale 2 années. Merci beaucoup pour ça, c'est adorable, j'espère que tu vas bien. Let's go, un point de plus, merci Spwinks. Mort de rire à l'enfer. Team Alp, Team Alp. Plein de petits R1. attends, je vais où? Je sais jamais où je vais. Laissez-moi aller sur Google Maps. J'accepte d'y aller. Alors, Lille. Bonjour. Où est-ce que je vais? Je sais jamais à chaque fois qu'on me demande. Je vais où? Là. Ici, par là. Vers l'Alpe d'Huez, mais pas exactement, je crois que c'est là ou là, autour quoi. Dans ce coin. Navigation privée, oui, pourquoi? Tu veux voir mon adresse, curé ça? Tu veux voir mon adresse? Tu veux que j'ouvre pas un onglet navigation privée sur Google Maps pour voir mon adresse, c'est ça? Sacré curé celui-là. Salut Alambi, comment ça va? Si tu arrives au 70-30, après ça reste. Genre il y a plus besoin de faire 300 points. Si, alors. Ça reste pendant un an. Ça reste pendant un an. Oh ouais, tu es intelligent. Pas tant que ça, c'est juste que, imagine, ça m'est peut-être déjà arrivé il y a 3 ans. Et juste, tu apprends des erreurs, quoi. Je crois que je vais par là. Dans une Bourgados, là. Peut-être là. Non, pas les deux Alpes. Bref, je vais là, quoi. Donc, dans les Alpes. Petit challenge aux int. S'il vous plaît, non. Je vous en supplie. Ne faites pas ça. On peut pas trouver ton adresse sur Google avec ta société. Ouais, les internes et tout ce problème. Écoute. Oui et non. Je te mets pas au défi, mais normalement je me suis assez prémuni, j'ai fait attention. J'habite 6 rue du M6, avenue de Monsieur Boutboul. Ok, c'est bon. Et si je tape Boutboul là, pas. Patrick Boutboul. Patrick Boutboul. Oh non, merde. Oh, c'est le bad. Je sais pas qu'il y ait une photo de sa famille. Sacré Patrick Boutboul en tout cas. Ok. Super mec. Mets tes photos de ta famille sur ton Google Business. Y a pas de souci. Quand tu t'appelles Boutboul, de toute façon, tout est autorisé. Ça, les Boutboul, bon, bref.
Les bouts de boule, on n'en peut plus. Ok, la prog de la semaine, les amis. Donc, on a commencé par la fin. Vacances, retour le 18 mars. Voilà. Donc, profitez bien de cette semaine si vous aimez les lives. Et n'hésitez pas à checker la chaîne Bastille Replay si vous voulez voir des lives en replay, bien sûr. Merci Linon42. What the fuck, Twitch qui plante sur mon passage tier 1 en espérant que tu gagnes bien les points. Bien sûr, Linon, on est là. Pourquoi tu dis que ça bug? Merci Linon, c'est adorable. Merci beaucoup pour les poings. Il est où? Il en est où, Justin, pour les 100K? Je sais pas, j'ai pas accès à son... J'ai pas accès à son YouTube Studio, mais... J'ai envie de te dire qu'il les a pas encore, sinon il nous l'aurait dit. Je suis pas le seul où ça coupe. Il y a des coupures Twitch. Chez moi, tout va bien. Mais peut-être Twitch est en galère, et en effet. Ça fait écran noir. Ah oui. Ça fait écran noir. Vous pouvez toujours essayer ça. Vous faites vous abonner. Non, je rigole. Vous faites offrir un abonnement. Non, pas du tout. Si ça fait des écrans noirs, vous pouvez toujours essayer de mettre la qualité. Pas en automatique, mais en un truc fixe, quoi. Ça aide un peu à stabiliser des fois les lives, entre guillemets. Sinon, vous faites abonnement T3, ça marche nickel après, il n'y a plus d'écran noir. Par exemple, Else, il vient de dire pas d'écran noir chez moi, il est T3. Après, c'est peut-être un hasard, quoi. Je suis sub, le live, ok, voilà, après, voilà. Bon. Je suis pas là pour dire, quoi. Je confirme pour l'adresse, facile de trouver si ta société est liée à ton domicile. Eh ben, je te mets pas au défi, mais je me suis bien prémuni, Coldfire. J'ai passé des mois et des mois à faire attention à ça. C'est un enfer. Moi, j'ai donné Prime, je vois Air. T'inquiète, t'inquiète. C'est du gris clair pour les Prime et noir pour les passables. Il me descend en 460p alors que j'ai la fibre. Oula, t'as un problème de connexion. Faut que t'appelles ton fournisseur d'internet, je pense. Ça unlock la 4K, le tier 3. Ah ouais? Mais Pomme, t'es même pas abonné, c'est trop bizarre. Comment tu fais pour avoir la 4K? Je suis en 4K là. Bizarre. Vous avez pas vu des trucs à une meilleure définition? Depuis mon passage en tier 1, j'arrive enfin à voir le stream en 12K. Ah voilà. Spatial computing, quelle folie. Sur mon autre compte. Ah ok, t'as deux comptes, pas de soucis. N'hésite pas à parler avec ton autre compte, bien sûr. Nathan est sur la liste noire de Bassi, c'est pour ça. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Bah c'est bizarre, ouais. Bon bref, ce matin on va parler un peu des actus du design bien sûr. Et on va faire des fleurs pour Ponce, pour le maître des fleurs. Chef Lynn est rentrée de vacances, elle m'a réclamé une bonne fleur. Donc on va faire des fleurs ce matin, design du maître des fleurs. Voilà. Ensuite, alors mercredi après-midi c'est un peu rock'n'roll, pourquoi? Parce que demain mardi, je vais à Paris. Merci Pomme. Oh merci Pomme, tu t'es abonné sur tes deux comptes. C'est trop adorable, merci pour ton abonnement sur ton deuxième compte en tier 1. Tu fais gagner un point bien sûr pour le 70-30, merci infiniment Pomme. Merci beaucoup, tiens, pour te remercier. Délicieuse Pomme. Tu vas nous manquer la semaine prochaine, moi vous allez me manquer aussi. Mais je vais skier donc ça va honnêtement me changer les idées. Si je devais ne pas stream une semaine en restant dans une salle austère à rien faire, je serais pas bien. J'avoue que pendant que je vais skier, ça va être cool. J'avoue, je dois l'avouer. Je vais pas faire semblant. Vous allez me manquer quand même. S'il reste de la neige, ouais, laissez-moi un peu de neige. Il mange Pomme. Avec qui je vais travailler? Bah, il y a la chaîne YouTube, il y a la chaîne Replay, il y a la chaîne Bastille sans MS. Après, voilà, va falloir faire une petite pause malheureusement. Tu peux partir en vacances au ski en même temps sinon. Salut les Bastisiens ou les Bastisois, puisque tu as l'impression que ça fait parisien, c'est vrai. Salut Brominou, comment ça va? J'avoue, on va être seul là, ça va faire un grand vide. Hein. Je reviens du ski, il reste un peu de neige. Est-ce qu'il y a de la neige jaune? Est-ce que t'as fait pipi dans la neige, mon petit Maxime? Ou est-ce que c'est good? Bon, j'espère que ça sera cool le ski. J'espère qu'il y a une... Attends, je vais regarder. Météo, Alpes, Uez. Oh, c'est bon ça. Attends, c'est vrai, c'est pas mal, cette semaine elle est pas mal. Ça neige, ça soleil, ça neige, ça soleil, ça neige. C'est bon ça, non? On est sur du perfect là-dessus. On est sur du bon là. Moi aussi, je regarde du ski, ça vient de neiger. Merci, faites neiger pour moi. Merci la team.
Je vis à la montagne et ça pue du qu'en ce moment. Pourquoi? La météo, tu veux dire, genre il fait pas assez froid. Mais moi, ils ont mis la la neige pour moi. Regardez, ils font du VTT en plein hiver. Faites neiger les subs. C'est bien ça, neige. Non? Il y a un flocon, c'est bien. Putain, le site est immonde. Bref. La prog, bien sûr. Et donc, je vous disais quoi avant d'avoir un abonnement incroyable de pommes? Ouais, c'est un peu rock'n'roll mercredi. Alors, me jugez pas trop sur les horaires. Mardi, demain, je vais à Paris. Chez Micode. Enfin, chez lui, non. Je vais chez les bureaux de Micode. Pour travailler sur One Click Studio. Mais le dispositif physique. Donc, je vais aller à Paris comme ça. Après, je vais dormir à Paris. Pour boire un verre avec Hardisk, Mathieu, Thiel, toute l'équipe, tous mes copains de Paris, quoi. Attention, passage d'un. Peut-être Guillaume Slash. Enfin, bref, je vais boire un verre avec les gens que je connais à Paris. Voilà. Et mercredi, je reviens. Mais j'ai pas encore pris mon train de retour. Donc, je sais pas si j'arrive à 16, 18 ou 10. Enfin, je sais pas si j'arrive à 15h ou 16h ici. Mais j'arrive en tout cas. Merci, Aligo. Ou pas. Merci beaucoup pour ton tier 1. Un point de plus, merci infiniment de lâcher des tier 1, c'est adorable. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais t'inquiète, je vais gérer ça. Vous pensez que je dois prendre mon train maintenant? Genre 10h, 11h, y'a personne dans le train, non? Bref. Y'a un monde où je suis coincé à Paris, mais bon bref. Donc voilà, donc ça va être cool, je vais travailler depuis les bureaux de Micode, et puis après je vais faire un petit verre avec les copains, quoi. Et cool, live l'après-midi. J'ai pas mis du review parce que c'est assez tendu cette semaine, comme c'est une semaine avant les vacances. J'ai beaucoup de trucs à caser. Et aussi, j'aimerais bien terminer un tournage. Donc il faut peut-être que je termine là, ou là, ou là. Faudra que je vois. Voilà. Je suis là, loin d'être un pro des trains. Non, je pense en Paris-Lille, en journée, il reste de la place. C'est juste les vacances des deux zones en même temps. Merde ! Je vais tout de suite sur SNCF Connect. Actuellement sur SNCF Connect. Paris. Mais non, vous inquiétez pas, les trains de la journée, il n'y a personne, c'est bon. Actuellement sur SNCF Connect. Désolé, une erreur s'est produite. C'est vrai que je peux plus aller sur SNCF Connect depuis mon ordi, moi. Genre, ça fait tout le temps ça. Dès que je vais depuis mon ordi, ça fait ça. Depuis 3-4 semaines. Vous avez pas ça, vous? Je suis obligé de le faire sur mon mobile à chaque fois. Genre, vraiment, je ne peux plus. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ouais, c'est de la merde. Au top ce site. Faut te sub à SNCF Trainline. Ouais, j'avoue, mais comme c'est mon compte pro, là, ça va plus vite sur SNCF. De toute façon, parce que sur Trainline, il n'y a pas de train. Enfin, Paris-Lille, il n'y a que ça. C'est pas tier 3. Ok, je vais mettre un tier 3. Attendez. Paris. Je le fais depuis mon mobile. Lille. On va poser une option en live, les amis. C'est quoi le 6 mars? Le 6 mars. S'il reste plus de place, je fais quoi? Je commande Shift R pour refresh. Déjà fait. Bon, il reste plein de trains. Il reste plein de trains, regardez. Regardez, celui-là, je vais prendre celui-là. Ah, vous voyez rien. Vous voyez rien. Paris-Lille. Voyager en tout confort. Voilà, 42 euros. Voilà, je vais prendre ça. Hein. Voilà. Choisir votre place. J'ai ma petite place préférée dans le train, je sais. Elle est prise déjà, je suis deg, elle est prise. Ça m'agace. Ça va gâcher ma journée. Attends, je vais poser une option. Je pose une option. C'est effectivement poser une option gratuitement jusque... Ah, c'est jusqu'au mercredi, donc le jour même, c'est une dinguerie. Hop, je pose une option. Et voilà, c'est fait, merci. Hein. Merci pour le stress. Et après, vendredi matin, dernier live de la semaine, avec du design pour Micode, je pense, effectivement. Team étage côté couloir. Non, j'en ai une meilleure, moi, mais bon, vrai, je vous la dis pas. J'ai un numéro de siège, je le prends tout le temps. Je prends dès qu'il est libre, bien sûr, mais il est souvent pris parce qu'il est super bien. C'est le numéro de siège qui est bien. Du coup, je vais direct sur ce numéro. Mais je vous dis pas lequel. Du coup, je vous dis pas lequel.
Non, je le garde. Je le garde parce que je voulais pas que vous prendriez ma place, ça, bien sûr. Salut Zakiou, salut Tadui. Ok, let's go. Le 59-42. Non, 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 c'est pas ça. Je vous le dirai pas. Non, c'est pas ça. Mais il a une bonne place. Il est isolé. Tu te fais pas trop déranger. Enfin, voilà. C'est quand vous faites beaucoup de déplacements pro, vous le connaissez bien. Tout le monde veut prendre ma place, j'avoue, c'est abusé. Ok, est-ce que cette proc vous va? Sachant que là, je vais peut-être refaire du Micode après le Unmute Show. Mais c'est pas sûr. Mais voilà, on va voir en fonction de ce que j'ai à faire avec Micode. Fais croquer. Ah, non, 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 non. Je peux pas reveal ça. C'est trop tendu. Ok. On va parler un peu de... Je vais tweeter d'ailleurs qu'on est en live. On est en live sur Twitch et regardez, trop marrant, l'iPhone de Joe Biden, il est tout rond ou quoi la team? Venez discuter des actus web et puis ensuite on design pour Poncefleur. On va mettre genre un micro. Et une fleur. C'est marrant, à chaque fois que je mets deux... Un emoji, ça insère deux fois. Je suis deck que mon... Que le détourage il marche plus là. Regardez, c'est décalé. C'est trop chiant. Ça veut dire que si je fais ça, ça va faire n'imposé. Ah non, ça. Attendez. Ah bah, regardez mon masque. Regardez mon masque. Je révise mon siège. Pourtant, et on va encore se dire une chose, les amis. On va se dire une chose qui est assez folle dans la vie. Il n'y a eu aucune mise à jour entre... Je n'ai pas allumé mon ordi entre vendredi et aujourd'hui. C'est-à-dire que le bug... est fou. On est d'accord? On peut se dire que le bug est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune mise à jour entre... Ouais, je suis en Wild Bastille. Si quelqu'un a une idée, hein, je suis chaud parce que je n'ai aucune... Je n'ai fait aucune mise à jour entre... Enfin, j'ai même pas allumé mon ordi. Entre aujourd'hui et... Le focus de l'appareil. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un script qui est hors appareil, ce truc. Ça me trigger de fou, hein, mais bon. T'as pris du poids, bah ouais. C'est trop bizarre en vrai. Du coup, je suis trigger maintenant. Je suis trigger, j'ai envie de test. Pourtant, sur le logiciel, ça marche plutôt bien. Sur le logiciel de test, ça marche bien, mais... Là, c'est décalé. Bizarre en vrai. Est-ce que c'était décalé sur toutes les scènes ou pas? Ah ouais. Le pilote de ta carte graphique. Mais je n'ai fait aucune mise à jour entre vendredi où ça marchait et aujourd'hui. Puissiez-vous le comprendre, les amis? C'est ça qui est intéressant à analyser, finalement. Non? Et oui, je l'ai éteint. Faut s'opter 3 OBS aussi. Oh là là, c'est beaucoup quand même. Du coup, si je fais ça, Justin, il va me couper. Y'a plus rien qui marche, du coup c'est dinguerie. Ça peut sauter, faut mettre à jour, comment ça? Ah non, y'a pas de layer, y'a pas de layer. C'est vraiment le masque qui a cette forme là. Non, ma tête elle est pas déformée dans le layer, regardez. Regardez. Ma tête elle est pas déformée dans le layer. Merde, je peux plus le remettre. Ouais, les émotes ça marche plus et tout du coup. Ouais. Non, je sais pas, ouais. Je suis triste, la team. L'homme est doux. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. En vrai, j'ai pas d'idée. On va pas redémarrer OBS pour ça, mais ça fait chier. Si j'arrive pas à le réparer, c'est chiant. Bref, c'est pas très grave. Hein. Je pense qu'on va s'en sortir. Par contre, ça c'est chiant. Je suis obligé de l'enlever ici parce que sinon ça fait ça quoi.
Je vois que c'est galère aujourd'hui. Non, ça va, t'inquiète. Le pilote graphique, mais je l'ai pas mis à jour. Je n'ai pas mis à jour rien. Alors. C'est quoi cette taille? Là, c'est quoi? Oh là, il y a un truc bizarre. Ouais, non, je sais pas. Je pense qu'il faudra redémarrer OBS. C'est peut-être juste un petit bug comme ça. Faut peut-être mettre ton pilote à jour. Bah, ce qui est bizarre, c'est que... Comment dirais-je? J'ai pas mis à jour rien, donc y a pas de raison, tu vois. Ah, les effets snap caméra, ça a rien à voir. Ouais, non, ça a rien à voir. Je sais pas s'il y a d'autres scènes. S'il y a d'autres scènes qui vont bugger, genre celle-là par exemple. Elle va être complètement pétée. Hello guys. Bon bref, attendez, j'ai regardé. Il y a un truc qui avait été banni dans le chat, mais it's ok. Alors, ton pilote graphique peut sauter, mais pourquoi ton pilote graphique peut sauter? C'est quoi cette histoire de PC? Genre, t'es là sur ton PC, et hop, le pilote graphique qui saute. Dinguerie. Les émotes qui flottent, bah les émotes qui flottent, elles sont... Comment dirais-je? Elles sont... Elles passent derrière moi, tu vois. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai deux fois ma cam l'une sur l'autre, tu vois. Et il y a un masque qui est censé me détourer, mais là, il y a un petit problème. Est-ce qu'il y a une update Windows? Non, je n'ai pas fait d'update Windows, mais peut-être. On verra, je suis sûr que juste en redémarrant l'ordi ou OBS, ça va le faire. Ok, alors, boum. On est en live sur Twitch et regardez, trop marrant, l'iPhone de Joe Biden. Il est tout rond ou quoi, la team? Venez discuter des actifs web et puis ensuite on design des fleurs pour Poncefleur. Voilà. Tac. Twitch.tv/Bastille. Non. J'ai pas besoin de faire, je peux le faire comme ça. Alors, TTV. Envoyer tweet, c'est bon. Tac, tac, tac. Ok. Alors attendez, juste faut que je check un truc. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Désolé. Alors,
On va commencer par des petites actus. L'iPhone, c'est pas un vrai truc que t'as trouvé sur le net. Si, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Salut Hard Disk. Ça gère un truc. Hop. C'est good. C'est bon. Gros, je venais juste dire bonjour. Je viens de manger 3 pubs back to back. C'est abominable. Pourquoi ils font pas de pubs skippables? Je sais pas trop. C'est les pubs. En fait, c'est les pubs de début de live. Tu peux pas les gérer en fait. C'est Twitch qui les gère. Tu peux pas les désactiver. Après, tu peux t'abonner avec Prime si t'as Amazon ou Sub T1, T2, T3 si tu veux m'aider bien sûr à arriver au 70-30. Comme ceci, bien sûr. Mais j'ai aucune main sur les pubs pré-roll, ouais. Je sais pas pourquoi ils font pas du skippable. Je crois que les pubs skippables sur YouTube, j'ai entendu dire qu'elles valaient. Enfin, quand les gens skippaient les pubs, ça payait pas les streamers. Enfin, les youtubeurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est peut-être pour ça que Twitch ils le font pas. Alors on va parler bien sûr de l'iPhone tout rond de Joe Biden. Je vous ai parlé de la prog, c'est good. On a parlé de 70-30, c'est good. Mais avant, je vais vous parler bien sûr de HelloFresh les amis. Parce que Hardis s'est pris 3 pubs skippables, mais maintenant c'est mon tour. C'est mon tour de faire une pub. Voilà. Si ça nous paye les skippables, juste moi. Ah ok. 10 pubs à chaque fois que je viens sur ton live. Oui, Hardis qui a mis les pubs. Hop. Et donc, je suis sponsorisé, d'amis, par HelloFresh pendant tout ce mois-ci. Voilà. Je te conseille la soupe tomate coco banger 0 van. Ok, tu es déjà chez HelloFresh. Donc, les amis, c'est très important. Merci, Brominou. Je suis du coup sub. Je suis sub. Bonjour, Fré, HelloFresh, etc. Voilà. Je suis sponsorisé ce mois-ci, pendant du coup 4 semaines, par HelloFresh. Je trouve ça très cool dans le sens déjà où j'ai un sponsor sur la chaîne Twitch. Ça me permet de faire rentrer un peu d'argent grâce au live Twitch, c'est trop bien. Et aussi car ça vous offre 85 euros de réduction sur votre commande HelloFresh. Donc on en a parlé la semaine dernière, je vous en reparle un petit peu ici. Vous pouvez faire point d'exclamation HelloFresh, point d'exclamation bonjour frais si vous voulez aussi. Et vous pouvez cliquer sur mon lien avec le code Bastille8Fev et commander vos plats directement chez vous grâce à HelloFresh et qui vous envoie un petit panier repas. Donc vous choisissez le nombre de personnes qui est dans votre foyer. Vous choisissez le nombre de repas que vous voulez commander par semaine et on vous envoie tous les ingrédients et les recettes directement chez vous avec les petits emballages réduits au max. Et vous avez par exemple, si moi j'ai commandé, alors je vous montre ce que j'ai commandé là pour jeudi 7 mars, un chouk-chak aux chèvres frais, j'ai choisi ça. Une petite lasagne bien sûr pour le dasagne, bien sûr. Et la tarte gouda épinard à l'ancienne. Voilà, donc ça marche comme ça. Vous choisissez et vous avez la possibilité du coup de toutes les semaines personnaliser votre panier, votre livraison. Et par exemple, la semaine prochaine, il y a plein d'autres choses. Donc on a le choix entre une vingtaine de repas à chaque fois qui sont dans facile, robot de cuisine, végétarien, calories smart ou tous à table. Voilà. Et moi ce que je vais faire, et ça sera l'occasion de vous le montrer aussi, c'est qu'on peut gérer sa box toutes les semaines. Et notamment ici, je vais décider de mettre en pause ma box pour la semaine prochaine car je suis en vacances, voilà. Et ben voilà, très bien. Pourquoi mettez-vous en pause cette semaine? Je suis en vacances, voilà, et je mets en pause. Donc, je suis en vacances. Je vais faire du ski, mais je ne vois pas trop en quoi ça... Je vois pas trop pourquoi ça vous intéresse. Mais bref, vu qu'on y est... on a trouvé un super petit chalet avec mon pote Rémi. Je pense... Pardon, c'est avec un i, bien sûr. Je pense qu'on va passer une super semaine, virgule. En plus, j'ai vu à la météo qu'il y allait avoir du soleil et de la neige, en somme une météo parfaite pour skier. Voilà.
On va mettre une autre musique parce que c'est parti sur une playlist que je connais pas. Hop. Voilà. Copie d'Elohim Ipsum. Ok, donc ça, on envoie bien sûr la raison à HelloFresh qui nous demande pourquoi on n'est pas là. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez mettre en pause un tout instant. Donc, si vous voulez, salut la cantine, salut Hard Disk et tout. Si vous voulez du coup tester HelloFresh et soutenir la chaîne, vous faites point d'exclamation HelloFresh dans le chat. D'ores et déjà, cliquez tous sur le lien. C'est déjà très important dans un premier temps d'envoyer un maximum de clics sur le lien d'affiliation pour soutenir un streamer, donc moi ou un autre qui est sponsorisé HelloFresh. Et si vous voulez vous laisser tenter par un abonnement juste pour tester pendant une semaine ou deux, n'hésitez pas parce qu'après vous pouvez annuler, mettre en pause ou complètement annuler. Donc moi j'ai mis en pause parce que je veux juste arrêter une semaine. Mais voilà, vous pouvez aussi complètement annuler une fois que vous avez testé, une fois que vous avez vous rendez compte si vous aimez bien le principe ou pas du tout. Moi j'aime bien parce que ça me donne des idées de recettes, parce que des fois je tourne un peu en rond dans les recettes, parce que je fais les courses un peu toujours au même endroit. Et surtout, sachez qu'avec du coup le code de réduction que vous avez en cliquant sur le lien, c'est 85 euros offert, et du coup ça vous fait les repas à un peu moins de 3 euros le repas. Donc c'est plutôt worth. Encore merci à HelloFresh de soutenir ce stream, et merci à vous d'utiliser le lien si c'est possible, et de tester tout ça. Merci beaucoup, et merci Isuclem pour ton tier 1 qui me fait gagner un point de partenariat plus. Et point d'exclamation, bonjour frais dans le chat. Voilà. C'est jeudi, le jour de livraison. Tu peux choisir ton jour de livraison. Tu choisis en fait ton jour de livraison et après c'est régulé. Après moi c'est comme j'ai démarré la sponsor mercredi dernier, c'est devenu jeudi quoi. J'ai pas fait gaffe. Le jeudi c'est gratuit. Ah, il y a des jours, ok. Il y a des jours qui sont plus ou moins chers aussi. Pour du coup limiter les coûts de livraison, j'imagine que dans certaines zones, comme ça le camion fait une seule tournée. Moins cher que le self du lycée, peut-être bien. Par contre, il faut faire à manger. Non, c'est vrai, Sony, c'est vrai, il y a des jours gratuits ou pas gratuits. J'ai regardé. Il y a des jours où t'as un peu plus d'argent parce que genre... je pense que c'est pour que le camion ne fasse pas des tournées n'importe où, quoi. Dispo dans toute la francophonie, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, je n'en sais rien. Tambour, tu peux aller regarder sur le site d'HelloFresh. De toute façon, tu arrives, tu cliques, tu mets ton adresse, tu verras si c'est dispo. Hein. Voilà. Et donc n'hésitez pas à cliquer bien sûr. Bande de... Hop. J'ai un site banger si tu veux speed review en 5 minutes. Ça dépend. Ça dépend. T'as rien raté Gosnik à part le maître des fleurs. À part le... Je dis d'app. À part la prog. Animator.co, qu'est-ce que c'est? Je dis que ça... C'est un quoi? C'est un portfolio que tu m'as envoyé? Un portfolio de motion. Ah, c'est très stylé. Vas-y, il danse. Très sympa. PewDiePie? Ah non, Pipe Drive. Putain, pourquoi j'ai dit PewDiePie? J'aime pas du tout ça. Ça me trigger de fou. Ça, je déteste. Le carrousel qui s'arrête, je déteste. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser un iPad lors de l'idéation d'un projet? Ouais, pour faire des dessins ou des wireframes, mais sinon, mon iPad, en plus, il me sert de deuxième écran là et en voyage, donc c'est cool. Ça, c'est très stylé. Alors, j'aime bien. Mais je trouve que ça aurait bien mérité peut-être plus d'espacements verticaux et peut-être... je l'aurais mieux vu en moins de couleurs, tu vois. Le truc texte en violet, j'aime pas ça. Soy, some of my project avec le mot en couleur, je suis pas très fan, moi. Ça, c'est plus une question de goût. Et il l'a fait avec quoi? Je sais pas avec quoi il l'a fait. Regardez. C'est Rive. Il l'a fait avec Rive. Regardez. Rive app. Pas Webflow. J'aime bien. Moi, j'aime pas quand il y a des textes en bicolore. Ça, regarde. Noir, violet, jaune. J'aime pas, tu vois. Ça fait trop de couleurs. Rive et Webflow. Ok. Et pareil, le flou est pas assez flou, tu vois.
pas assez fort le flou, je trouve. Ok, nice, nice. Alright, let's go. Alors, est-ce que vous voulez voir l'iPhone tout rond de Joe Biden, les amis? Le code promo HelloFresh est que pour les nouveaux clients. Oui, si je dis pas de bêtises, oui, c'est que pour les nouveaux clients. Néanmoins, vous pouvez tout simplement arrêter votre subscription précédente et vous réabonner et avec un code d'un créateur, le mien ou quelque chose d'autre. Voilà quoi. Voilà, voilà. J'aime pas le mélange flou-flat sur les sites. Je suis d'accord, Sony. En fait, soit tu choisis du flat, soit du flou, mais c'est vrai que mélanger les styles, j'aime pas trop non plus. Pareil, faut pas mélanger ombre et flou, quoi. Soit tu choisis des drop shadow, soit des flous, quoi. Yes. Il ne faut pas graphiste à la maison blanche. Eh ben, on va voir ça. Alors, comment est-ce que ça a pu arriver? Ce genre de choses. Comment est-ce que ça a pu arriver? Alors, donc, il y a POTUS. Déjà, pourquoi ça s'appelle POTUS? Attendez, quoi? President United States? President of the United States. Ça pue du cul, le arrobas, il pue la merde. Je suis désolé, mais POTUS. Donc, il y a POTUS. Merci, POTUS, pour le Prime. Le POTUS, bien sûr. C'est connu, ça fait des années. Bah ouais, mais ça me fait rire. C'est pas parce que c'est connu que c'est pas marrant, tu vois. Je sais pas. Donc, il y a POTUS qui nous dit... Il nous dit à Chaussure, avez-vous déjà utilisé une application de livraison de nourriture comme HelloFresh pour commander des repas? Si ce n'est pas le cas, faites point d'exclamation HelloFresh dans le chat de Bastivi, bien sûr, c'est mon frérot, ça m'aiderait à le soutenir. Mais avez-vous remarqué un prix final beaucoup plus élevé que lorsque vous avez commencé à chercher? C'est vrai ça, c'est vrai, les frais. Les frais de gestion, les frais de livraison, les frais, tout ça. C'est ce qu'on appelle le goutte à goutte, et cela s'additionne bien sûr. Mon administration s'efforce de mettre fin à cette pratique et à d'autres frais inutiles qui arnaquent les consommateurs. Voilà, donc sur le coup c'est bien. Désolé, je me mute un peu, je vais me moucher. Je mute mon micro vite fait. Pardon, désolé pour la coupure. Et donc POTUS, il nous fait un petit post comme ça pour promouvoir la fin des frais cachés sur les applis. Et... Regardez-moi ce mock-up de fou. Les applis de livraison qui rajoutent des frais, delivery fee, service fee, etc. C'est une dinguerie ce mock-up. Maintenant tu es mute. Ah pardon. C'est une dinguerie. Bon déjà les icônes. Home, Fab Spot, Search, Cart, au pluriel bien sûr, plusieurs paniers. Et account, mais surtout... Bon... La navigation qui est en dessous du Fanks. Les alignements, what the fuck. Bon, ok, pourquoi pas. Dollar, too much, too high, ok. Mais, le mock-up de l'iPhone. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce mock-up? En fait, comment c'est possible de le créer déjà? C'est peut-être un leak de l'iPhone 16. Mais ce que je comprends pas, c'est... Est-ce que c'est un Samsung? Genre, même pas, c'est pas possible. C'est un mock-up libre de droit. Et ben du coup, je voulais qu'on cherche le mock-up, justement. Je voulais utiliser toute la communauté pour trouver ce mock-up. C'est un e-savon. Il voulait pas de procès. Tu crois? Non, mais y a pas de procès de mettre un mock-up d'iPhone. Non, c'est pas un Samsung. Surtout, ils ont bien décalé ça et ça, quoi. Bon, bien sûr, il manque ici des pixels blancs. Bon, ça, ok, tiers. Là, le notch, il est mal raccordé. Mais bon.
ben la personne qui l'a fait ne devrait pas rester libre. C'est une blague, bien sûr, bien sûr. Et du coup, je voulais qu'on cherche ce mock-up rond. D'où sort-il, quoi? D'où peut-il sortir, à votre avis? Si on va sur Figma Community et qu'on cherche genre iPhone mock-up, est-ce qu'on peut le trouver? Hop. Hop. Alors, est-ce qu'on peut trouver ça? Ah non, je pense pas que ce soit trouvable, hein. Comment il est tombé dessus? POTUS mock-up. Après, je peux faire une recherche par image, mais je voulais voir si c'était un truc qui tombait rapidement dans les mock-up, tu vois. Un très mauvais mock-up, tu vois. Ok. Comment est-il tombé dessus? Comment est-il tombé sur un tel mock-up? Ok, donc Figma Community, c'est pas une bonne piste. Mais si je recherche ça par image, ça va pas marcher. Ça va marcher. Ok, iPhone mock-up. Comment trouver un mock-up si arrondi, quoi? Je pense qu'il a juste arrondi les angles dans Illustrator. Bah mais pourquoi? Pourquoi il aurait fait l'effort de le modifier? C'est ça qui me tue. Il a pris un vecteur mock-up, il l'a modifié, mais pourquoi alors? Pour que ça ressemble pas trop? D'ailleurs, on voit le notch est mal attaché. Hein. Ou alors il avait un mock-up d'iPhone assez classique. Et il a voulu le rendre iPhone 15 et il a trop rendu iPhone 15, genre. C'est un spotus, ouais. C'est pas un stagiaire, mais comment il a fait? Étant stagiaire, comment il a fait? Je dis pas que c'est Joe Biden qui l'a fait, hein, calmez-vous, mais... Je me demande le process de création pour en arriver là, quoi. Pour pas que Google les accuse de favoritisme. Dans ce cas-là, pourquoi il s'est cassé le cul à mettre un notch? Ah, mais c'est un notch d'iPhone. Ah, c'est un notch d'iPhone 10, en fait. Donc il a... Ah, il a pris... Attendez... Il a pris un iPhone 10. Attends, quoi? Non, bah non, c'est pas un iPhone 10. 12 alors, peut-être l'iPhone 12. On va trouver. Je pense qu'il a pris un iPhone 12 Vector Mockup et il l'a arrondi alors. C'est le 13. C'est le 13 qui a un notch comme ça? Hmm. Ok. Ah non, le 14, il a pas un notch comme ça. Il est allé sur Vecteasy, vous pensez? Regardez. Il est allé sur Vecteasy, là. Ah non, ça ressemble pas trop. Hmm. iPhone Vector Mockup. 14 et 13, c'est la même, mais non! Regarde, c'est pas un notch comme ça, le 14. Ouais. Il y a forcément des vecteurs mock-up. Mock-up. Ouais, c'est pas vecteur aussi. C'est 12 alors. Ceux qui ont pas de notch. Il a pris un iPhone 7 et collé une image dessus. Les iPhone 7, ils n'étaient pas arrondis comme ça. Si. Attends, je regarde ça. Full étape 3D Vector. Bien sûr. Cette image ne ressort que sur les tweets du président, tu m'étonnes. Attendez. Si je prends ça... Mais attends, il n'y a rien dans ça. Comment tu mets ton image? Pourquoi il n'y a pas le notch? Ah, c'est là, faut rendre ça. Ok. My bad. Ok. Franchement, je crois qu'on tient une piste là. Ah non, je ne peux pas prendre cette couleur. Prendre cette couleur du coup. Je crois que j'ai une piste là. Je crois qu'on y est, on y est. Frame graphite. Je mets du rouge.
Ok. On y est, je pense. Est-ce que c'est vraiment vecteur, du coup? Ah ouais. Attends. Qu'est-ce qui contient ça? Ça, c'est le eyebrow. Ça, c'est la frame. Ah ouais, il y a plein de shadows. Ok, vous êtes prêts? Ça, c'est bon, on y est. C'est bon, j'ai trouvé comment faire. Ah merde, les petits carrés. Merde, les petits carrés, là. Trop chiant. Ah merde, des petits boutons. Ah. Petit bouton. Ok. Bon, les petits boutons du bas, ça va. Ok, maintenant, on va récupérer, bien sûr, l'image de Joe Biden. Le supophone. Coucou, et bah, si pas toujours pas propriétaire d'une 911 GT3 RS. Je sais pas ce que c'est, mais bienvenue à toi. On tient un concept, attendez. Hop. Bon, la barre de recherche, je vais avoir du mal à la choper du coup, mais on va commencer par ça. Possible de mettre le savon de Fight Club. Non. Non, on est sur Joe Biden là, je suis occupé à Joe Biden là. Désolé. Hein. Ah ouais, mais putain, je vais avoir un problème avec la tab barre du coup. Ok, c'est un challenge de design, ne vous inquiétez pas. Ok. Bon. Ça roule. Ensuite. Il me faut la recherche. Oh merde! Il me faut la recherche. Ok. Ah non. Vous inquiétez pas, c'est normal. On travaille pour POTUS. Tuto Figma Pro, bah alors là. Ok. Alors, il y a un truc qui est chiant, du coup je vais faire ça. On va essayer de la faire rentrer tant bien que mal. Hein. La recherche. Ouais. Un peu chiant. Ok. Ah. Hop. Voilà, on raccorde un peu les bouts comme ça. Parfait. Non, faut pas refaire. Non, le challenge, c'est si je refais, c'est un aveu d'échec. Non, faut que je refasse rien. C'est un aveu d'échec. Steve Jobs, il est pas bien, là. T'inquiète. Bon, là, j'ai un petit souci. Petit souci dans le coin, quoi. Sauf si je fais ça. Oh, ça passe tout juste, hein. Ok. Bon bah alors là. Voilà. Et de l'autre côté. Ah non, je refais aucun asset graphique moi. Voilà, et de l'autre côté. Quel plugin pour mettre un texte qui suit une ligne dans un objet Figma? Bah tu regardes sur mon Twitter. J'ai mis sur mon Twitter. Ok, et la tab barre ça passe. En vrai, à ta barre, c'est bon. On a de la chance, bien sûr. Et voilà. Président Biden. Alright, Président Biden. Look at this. Mon cher POTUS. Attends, ça, c'est quoi, ça? Pourquoi je peux pas le mettre? Ah, voilà. Ah, merde. On va faire une frame.
C'est très technique, hein, regardez. Hop. Ok, Biden President. Tu le postes en commentaire à Potus, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. On va juste mettre à jour ça. Hi Potus. I fix your design, Potus. Merde. Ah non, faut que j'aille sur Photoshop. Désolé, je joue Photoshop, les amis. Just for Potus. Sorry. Sorry, guys. Border radius à fond. Ok. Copier. Ah, attendez, est-ce qu'on mettrait pas le notch quand même? Je sais pas, on le voit pas bien, du coup c'est dommage, mais bon. En même temps, j'ai pas trop d'autres solutions quoi. Sinon, faudrait que je fasse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est mieux comme ça, juste pour qu'on le voit un petit peu quoi. Sinon, on le voyait pas du tout, quoi. Allez, je le descends un peu. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Totally Spies, j'avoue. Ok. Du coup, hop, on va utiliser, bien sûr, l'IA générative pour enlever ce POTUS. Je le veux maintenant. Bah, ça arrive, ça va. J'ai bientôt publié. Un arc de cercle pour revenir à l'accueil. Ah ouais, tu crois? On voit pas la table barre, c'est dommage. Ok, comme ça. Ok, got it. Bah, ça part en POTUS là. Hein. Petite drop shadow légère. Voilà. Ok. On répond à POTUS ou quoi? On répond à POTUS. I fixed your mockup Joe. Je l'appelle Joe ou pas? Non, c'est pas gentil. Forcément. I fix your mock-up, Mr. Pot. Le FBI chez Basti. I guess. I fix your mock-up. Focus. C'est bon, tweet? Attends, je vais créditer le Figma file, bien sûr. Comment je peux créditer ce gars? Mode, il s'appelle? Comment je peux créditer? C'est quoi son pseudo? Mode? Mode 8. Thanks, mode 8. For the Figma community file. Ça fait rien. C'est bon, ça se dit ce que j'écris?
Allez, c'est bon. C'est tweeté, les amis. Une dinguerie en ça. Hop là. Je vous mets le lien du... Je mets le lien du tweet si vous voulez aller liker. Comment on fait? Bah là-haut. Twitch. Le lien du tweet. Let's go. Et voilà. Magnifique. On est bien là. J'aime pas trop utiliser le HAL pour créditer parce que c'est pas trop fait pour ça à la base, mais bon, tout le monde utilise comme ça. Oui, enfin là, c'est une pure connerie. Je veux dire, je vais pas non plus écrire iFix sur mockup. Mockup by Moduit, le pauvre, il a rien demandé. Hein. Juste arrondi son vecteur, donc il va peut-être être un peu dégoûté d'être, d'être notifié pour ça, quoi. C'était juste pour la forme. Ça dit quoi, fait 70-30 point exclamation 70-30 Kikizi pour voir la progression. Il faut tenir encore jusqu'au mois de mars et avril. Voilà. sans tirer. Juste pour la forme, ouais. On lâche un. Merci beaucoup en tout cas ceux qui lâchent des tier 1. C'est adorable. Faut continuer, hein, faut continuer comme ça. Ok. Biblum. Très bien. Et deuxième petite news. Par contre, au-delà de la vanne, je trouve ça bien ce qu'il dénonce. Par contre, ça va encore plus précariser les livreurs s'ils obligent les apps à réduire les coûts. Non, ils vont pas obliger les apps à réduire les coûts. Ils vont obliger les apps à mettre les vrais prix dès le début. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, bah, du coup, oui. Et peut-être les joueurs achèteront moins. Mais bon. C'est quelle décennie les écrans ovales? Ça arrive là. Tellement galère les écrans arrondis. Ça parle de quoi? De l'iPhone rond du président Biden, t'as vu? Il est beau, hein. Je viens de faire un visuel avec la charte de la Maison Blanche. Est-ce que vous pensez que je suis foutu? Vous pensez que FBI open up ou pas? Je suis dans le caca. POTUS. C'est POTUS. Je viens de débarquer. Un mec a fait un mock-up propre avec gros arrondi. Non, c'est ça. Bah, du coup, il paraît normal celui-là maintenant. Il paraît normal celui-là maintenant. Franchement, celui-là, il me paraît normal maintenant. Je suis complètement biaisé. Le fait d'avoir... C'est comme quand on met ce filtre-là et qu'on le laisse un peu longtemps et quand on le retire, on a l'impression que c'est pas normal. Non, celui-là, il me paraît bien. Mais il était fort arrondi, quoi. C'était la blague. Regardez. Regardez, je vais l'enlever. Regardez bien ma tête dans 3, 2, 1. Regardez bien ma tête quand je vais l'enlever. Les yeux hyper rapprochés. J'avoue, bah voilà, bah c'est l'effet Biden. On appelle ça l'effet Biden dans le métier. Et oui. Autre petite news avant d'avancer. Twitch, ils ont ajouté... Alors, ils ont ajouté ça sur les alertes... Les alertes web. Donc, pas les alertes OBS, mais les alertes web. La possibilité d'avoir une alerte quand vous transformez votre Prime en Gift Sub. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes abonné Prime et que vous convertissez en Tier 1... Moi, j'ai pas d'alerte. Ça, je dis, ah, merci, j'ai vu que t'as converti. Merci beaucoup. Ouais, la fête. Mais il n'y a pas d'alerte à l'écran. Et pareil, si t'as été gifté et que tu te convertis en sub tier 1, tier 2 et tout, il n'y a pas d'alerte. Et du coup, je pense que bah, les gens ont un peu râlé. Parce que du coup, dans la course au 70-30, ça a été un peu, voilà, un peu laissé de côté. Merci, Nota Tuka, pour ton tier 1. Merci beaucoup. Et donc, ils ont ajouté ça, mais uniquement... Dans les alertes Twitch que j'utilise pas forcément, parce que moi j'utilise des alertes que j'ai codées moi-même sur OBS. Et du coup, bah, il faudrait peut-être que je regarde
il faudrait peut-être que je regarde pour les rajouter malgré tout. Même si ce sera moins beau, quoi. Et du coup, c'est où ? Abonnement. Abonnement Prime, réabonnement, nouvel abonné. Non, ça, je m'en fous. Il me faut une nouvelle variante. Comment on règle ? Nouvel abonné. On va mettre convert. Convert. Salut Cohen. C'est quoi cette petite nouveauté ? Bah en gros, il y a des alertes maintenant pour ceux qui passent leur Prime en T1 ou leur Gift en T1 ou T2, T3. Et non. Et il n'y a pas en fait. Et du coup, ils l'ont sorti. Attends, c'est là ? Ah, alert condition, ok. Donc, bah, subscription continued from. Poursuite de l'abonnement. Ok. Type d'amélioration payée. Ah putain, faut faire deux. Ok. Convert prime. Durée. Je sais pas, 5 secondes. Bon, ça va être horrible. Ça va être horrible parce que je vais pas le paramétrer pour l'instant. Point arrondi, bien sûr, Joe Biden. Ok, vas-y, peut-être le volume. On peut la tester là ? Horrible. Horrible. Horrible son. Horrible animation aussi. Mais bon, il faudra que je le fasse plus tard. Ou que j'attende que ça arrive sur OBS. Comment on baisse cette merde ? C'est ça, hein. Ouais. Merci beaucoup, PCR Dloui, pour le Prime. Merci beaucoup. Ok. Et c'est où le texte ? Texte. Nom d'utilisateur. Ah. Ah. Passe à transformer son Prime en abo. Hop. Je peux pas cliquer sur les emotes. Voilà, Bastising. Voilà, très bien. Enregistrer. Tester. Pourquoi c'est si fort ? T'as encore l'encart pub en haut à droite. Bah ouais, je suis sponsorisé, vous pouvez faire point d'exclamation HelloFresh. Sombre. J'ai mis sombre. Le volume, s'il vous plaît, genre beaucoup moins fort. Hein. Genre 8%. C'est une dinguerie. Oula. Sombre. Et du coup, faut que je fasse une deuxième. Je peux pas dupliquer celle-là. Non. On va l'appeler Convert Gift. Trop chiant de faire deux fois. Poursuite de l'abonnement cadeau. 6 secondes. Roboto, c'est bien moche comme ça. Voilà, à transformer son gift en abo. 8%. Enregistré. Testé. Le volume est extrême! Alors que je mets le volume au plus bas. 2%? Pourquoi c'est si fort? C'est le volume de l'image à la rigueur. C'est pas le volume du son qui compte, c'est le volume de l'image. Je croyais que tu devais mettre quand t'en parles. Non, c'est tout le temps. Ça ne change rien. Merci pour le challenge Bill Bokeh. Je sais pas pourquoi ça change rien. À part pour me rendre complètement cinglé, bien sûr. Bon bah écoutez, c'est, ça, c'est top hein. Pourquoi c'est si fort ? C'est quoi cette dingue ? Vas-y, je le baisse, hein. À la main, du coup. Mais c'est pas... Ouais, j'ai baissé à la main, mais du coup, c'est nul. Enfin, je veux dire, bah, bref. Merci, en tout cas. Et du coup, maintenant, si vous convertissez votre abonnement Prime en tier 1 ou Gift en tier 1, eh ben, vous avez une petite notif. Alors, elle est éclatée au sol, mais ce qui serait cool, c'est qu'elle arrive dans les API pour que je puisse faire mes animations OBS. Alors... Challenge Bill Bokeh, main droite, un œil ouvert en 3 essais.
Donc un œil ouvert, un œil fermé. Et ça, c'est très dur. Ok, je... et ben voilà, elle se l'a fait. Donc vous pouvez mettre vos points de chaîne, les amis, pour savoir si je vais réussir ce bilboqué ou alors pas du tout. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour ça, Modino. Modino. Let's go. Alors, est-ce que vous avez d'autres petites actus que vous avez vu passer ce matin, les amis?